Coucou tout le monde! Regardez qui je suis! Bonsoir! Alors là, on est combien? On Le est le 2 2. octobre. Oh, ça y est, ça commence déjà à me reluquer. En fait, ce vlog n'était pas du tout prévu parce que j'avais fait une story justement hier. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais j'ai fait une story hier en vous disant que je n'étais pas en vacances. Oulala, je ne partais pas en vacances en Picardie. Et là, nous sommes où? Chez ma soeur en Picardie. On sent. Non, on va pas dire où est-ce qu'elle habite. Bon, bref, on va pas dire où est-ce qu'elle habite parce que cela ne se fait pas. Mais en gros, nous sommes en Picardie. En fait, on est. Oula, attendez, je vais raccrocher. Je vais raccrocher. Je vous dis à tout de suite pour vous dire la suite parce que là, il y a des gens. En gros. J'enlève les lunettes juste pour vous parler parce que je ne vois rien. Bon, là, c'est encore pire. Je vois encore moins bien de ce coup-là. J'ai pas de lunettes. Mais je te suis, hein. Bon, Maxime, il va pas. Attends, je vais l'enlever juste pour parler là quand même. De toute façon. Oh là là, ça y est, je bug. En gros, en fait, j'ai commencé une vidéo hier. Une vidéo où je. Ah, il est là le bureau? Ah, d'accord. J'ai fait une vidéo où en fait, je vous explique pourquoi j'ai pas fait de vidéo. C'était pour me remettre entre guillemets sur YouTube. Pour pas vous balancer comme ça une vidéo sans vous expliquer. Donc là, en fait. Je l'ai à moitié terminé puisque j'avais commencé cette vidéo. Et en fait, à un moment donné, bah, dans la vidéo, je devais partir. Donc voilà. Et après, en fait, c'était pas prévu. Mais on est parti, en fait, dans la journée d'hier pour venir ici. Donc c'est pour ça. Là, en gros, il est quelle heure? Bon, on s'en fout de l'heure. C'est le matin. Enfin non, on vient de manger. Donc, parce qu'en fait, j'ai envie de reprendre mes covers. Et en fait, il y a un cover que j'ai terminé que j'avais envie de mettre en ligne. Mais je me suis dit, je vais pas mettre ça en ligne comme ça d'un seul coup. Alors que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la vidéo, je vous explique, enfin, je m'excuse un petit peu pourquoi. Ah bah, il est là. Je te vois. Je m'excuse et tout ça pour les vidéos, blablabla. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas. Comment ça va les abonnés? Je me suis dit, pourquoi pas faire un vlog. Pendant nos vacances parce que moi j'ai envie de garder des souvenirs. Alors bien évidemment vous verrez pas ma soeur, vous verrez pas mon neveu, surtout qu'elle veut pas le faire voir et c'est complètement normal. C'est ce qu'on appelle techniquement la vie privée. Voilà, normalement on va enlever le masque parce qu'on retourne dans la maison. Normalement je devais voir. Oui mais ça m'arrange, ça cache un peu le double manteau. Comment parce ça que... froid. Parce que en fait j'ai pas pris de manteau. La fille je voulais prendre ma veste en jean, mais je. Toutes les fouilles que j'ai, je les ai sur moi. En fait, hier, pour vous dire, ça a été complètement inattendu. Normalement, on devait partir aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, on va partir aujourd'hui. Mais en fait, les horaires du train étaient les mêmes que celles d'hier. Donc, je m'étais dit, bon, allez. Quand j'ai décidé d'acheter les billets, il était quelle heure? Pratiquement midi. Il était 11h30 et des boîtes. Il était quasiment 11h30 midi parce que Jodie, elle est partie pas après. Ouais, voilà. Donc, Jodie, c'est sa copine. Alors, est-ce que. Parce que oui, mais vous ne le savez pas, puisqu'en fait j'ai parlé, mais en fait j'ai jamais fait le montage, j'ai tout effacé. Raconte-moi un petit peu tes petites nouveautés. Moi en fait, j'attends de parler à la personne pour voir, mais en fait je ne suis plus avec André. Voilà, bon déjà ça c'est fait. Misty est décédée. Voilà, mais ça vous l'aurez vu dans la vidéo. Je ferai une vidéo spéciale pour Misty si Maxime. Ouais, ils le savent, hein. J'ai une Bah ça s'est fait avant ça. Attends, faut tourner. Oui. Bon, je vais continuer. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ici, il m'a une copine. Voilà, elle s'appelle Jodie, elle est très très belle. Mais vous la verrez. Yeux bleus et je vous suis la très heureux avec elle. Vous la verrez pas par contre. Non, vous la verrez pas. Voilà, et moi en fait. J'estime qu'un bijou comme ça, ça ne se montre pas à tout le monde. Voilà, elle se montrera quand elle en aura envie. C'est très gênant, il y a quelqu'un derrière. Oui, complètement. Ah. Genre, en chaussures, j'ai pris que mes. Vous savez, mes docks. J'ai pris mes docks, vous savez, mes docks basses avec les Simpy and Love là. Attends, je mets mes lunettes parce que ça va pas du tout. C'est l'arrière de chez ma soeur là. T'as vu la poutre qu'il y a? Comment tu veux tomber? Ah non, je préfère pas. Ça, 5 kilos. Donc bref, que disais-je? Maxime a rencontré cette fille. C'est quand tu l'as rencontrée? Pendant le confinement ou après? Je l'ai rencontrée avant le confinement et on s'est revu après. Ouais, voilà. Donc, Maxime, de ce coup-là, il a. Bon, il connaissait un garçon depuis un petit moment. Mais ils se sont liés d'amitié après le confinement. Mmh. Après le déconfinement, qu'est-ce que je raconte? Après le déconfinement, tiens, on va tourner là-bas. Pendant le déconfinement, pas après le déconfinement. Bon, bref, flûte alors. Faites pas attention à ma coupe, là, ça repousse, hein, comme vous le savez. Je me suis tondu les cheveux, moi, là, justement. Toi, ça a bien repoussé. Justement, il y a pas longtemps, j'ai re-regardé vite fait les vlogs où c'était encore pendant le confinement. Comment ils étaient courts, ça fait trop bizarre.
Mais ouais, moi ça commence à repousser et là ça pousse de partout donc c'est ignoble. Bref, passons. En fait, ouais, depuis. Maxime, il s'est mis avec. Donc ça fait combien de temps? 4 mois? Ça va faire 4 mois. 4 mois, ouais, qu'ils sont ensemble, c'est mignon. Moi en fait, bah, il y a eu du changement dans ma vie. Alors j'ai envie d'en parler, mais je préfère, comme je vous ai dit, en parler avec la personne d'abord. M'a rencontré. Bah, en fait, après la mort de Misty, voilà, j'aime pas dire la mort, mais bon, bref. J'avais pas envie de sortir. C'est Maxime, sa copine et ma mère qui m'ont dit tu devrais sortir. Je me suis dit, bon, allez. Et Maxime, entre temps, il avait rencontré. Maxime, il a rencontré. Bah, non, tu l'as pas rencontré, tu le connaissais déjà avant. Mais il ne se parlait pas. C'est là. Et bah, il s'est lié d'amitié. Oh, je croyais que j'avais un truc dans le nez. Il s'est lié d'amitié avec un voisin, à nous. Donc il habite pas dans notre bâtiment, il habite dans celui d'à côté. Donc en fait, en gros, on descend nos escaliers, on est à son bâtiment. Donc c'est tout près. Et je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé très beau. Voilà. Avec André, ça allait à peu près. Mais ça s'est dégradé au fil du temps. Parce que bah, comme vous le savez, l'histoire que je vous ai racontée l'année dernière avec le mec. Bah, en fait, quand j'ai commencé à parler avec ce fameux garçon, donc on était tous les quatre. Donc en fait, on s'appelle les quatre mousquetaires parce qu'on était devenus... Bon, on est devenus très très proches tous les quatre. Et moi, c'est vrai que, bah, comme vous le savez, je n'ai personne. À part Aurélien. Mais Aurélien, voilà, il habite à 800 km. Donc, vous voyez, ça m'a changé du fait que j'étais triste par rapport à Misty. Attends, c'est mouillé, on va se mouiller le cul. Je sais que je rentre en plus. Oh non. On s'en fout, c'est juste de l'eau, oh là là. Oh, mais bon. Bon, bref, et donc. Ah, mais. Tu veux que je te pousse? Je le fais. Non, j'ai envie de la balance. Ouais. Non, mais je peux pas te pousser. Non, me pousse pas là, c'est pas la peine. Je vais faire un tour sur et donc. Comment je vais en faire de l'autre côté, comme ça on se voit. Bah, ah, tu veux que je te laisse venir? Non mais non, t'inquiète, je vais essayer d'essuyer comme je peux. Ça fait mal aux mains, tu crois, gars. Sans blague. Ah, je rentre dedans. Gamine. Oula, ouais, attends, ça tourniole. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Qu'est-ce que je disais? L'autre qui s'éclate derrière. Donc, en fait, en gros, bah, oh, il y a des boîtes à livres à lire. J'arrive pas à me concentrer avec le téléphone, faut que j'arrête. En gros, ben, il nous faudrait une balançoire en bas de chez nous. Clairement. Là, je serais trop contente. Mais bon. Donc en fait, en gros, ben, on s'est liés d'amitié tous les quatre. Donc on se voyait en fait tout le mois de juillet. On était vraiment les quatre mousquetaires. Voilà, les quatre mousquetaires, tous les quatre, tous les jours, on se voyait pratiquement. On sait qu'à la base, ils sont trois les mousquetaires. Hein, mais ouais, voilà. Voilà. Et donc, le fameux garçon... Bah, je sais pas comment vous dire, c'est un peu... Bon, de toute façon, André, il le sait. Voilà, je pense que je vais pas aller plus loin. Je demanderai à ce fameux garçon si au cas où il est dingue que j'en parle sur YouTube. Mais en fait, vous le verrez pas, si au cas où. Je pense que vous avez compris la suite. De toute façon, je l'ai dit sur Instagram, à peu près. Donc en fait, moi, j'ai commencé à ressentir des choses pour lui. Et en fait, après, avec André, on s'est séparés. Je crois que c'était la veille... Ou le jour même de l'anniversaire de Max. C'était le jour même, hein. Le jour même, ouais, mais c'était très très tôt le matin. Voilà, il a été trop loin dans une parole. Donc voilà, parce que, à savoir que l'année dernière... Pas, voilà, parce que l'année dernière, comme vous savez, il a été très blessé par ce qui s'est passé avec le mec. Alors ça, je le comprends. Mais le truc, c'est que là, ça n'avait rien à voir. Je n'ai pas... Il n'y a pas eu de geste déplacé avec ce fameux garçon. Surtout que lui, il est aussi timide que moi, donc voilà. Mais voilà, les sentiments ne se commandent pas. Vous avez compris le Bintz? Moi, je... Voilà. Mais je voulais pas quitter André ou quoi. Je sais pas comment vous dire. Enfin, si, bon, non. Enfin, oui, c'est très clair. Devinerez vous-même par rapport à ce garçon. Je ne vais pas en dire plus. Là, nous sommes en Picardie, donc on va pas parler d'Annecy. Pour les chats, ne vous inquiétez pas, j'espère qu'ils vont bien. Mais de toute façon, Maxime et moi, on a blindé à mort Croquette et Aube. Et de toute façon, bah, justement, ce fameux garçon, il adore les chats. Donc c'est merveilleux. Donc il est pas, normalement, il y va un peu tous les jours. Donc normalement, il va y aller aujourd'hui, parce qu'on garde contact, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc là, normalement, cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Cet après-midi, normalement, on va à Kiabi et on va aller s'acheter un t-shirt. Ouais, notre mère, elle nous a dit qu'il y avait un t-shirt marqué Stranger Things à Kiabi. Donc, tu vas aller l'acheter, tu vas m'en prendre un parce que bon, moi, ça me fait rire. Filme-moi. Moi, ça me fait rire parce que Élise... Tiens, prends-le, on va faire un peu. Élise, Maxime, prends la place. Moi, je vais faire de la balançoire.
Élise, elle a acheté un... C'est quoi ce bide là? Comment ça s'appelle? Mais j'ai grossi en fait. Ouais, j'avais perdu un petit peu, mais je crois que j'ai repris, regardez. Élise, elle a acheté l'album de Vaisseau, donc le nouveau qui est sorti. Ah ouais, non mais cool, faut que tu leur en parles, ils sortent trop, puisque j'ai tout... En fait, j'ai filmé. En gros, Élise... Attends, je leur raconte vite fait. En gros, Élise, depuis qu'elle écoute BTS, elle aime un peu plus le rap. Et moi, il y a des rappeurs que j'écoute, il y a que Vaisseau, donc un groupe de Nîmes que je vous conseille d'écouter si c'est pas déjà fait, et Kikessa, que je pense que vous connaissez aussi. Je mettrai des photos sur l'écran, si au cas où. Voilà. Et le truc... C'est que du coup, bah, je lui ai fait connaître ce groupe et elle a acheté l'album Pool Party et elle veut même pas me prêter les lunettes de soleil qui sont livrées avec. Elles sont Annecy de toute façon. Bah de toute façon oui, elles sont Annecy. Tu crois que je peux les acheter toutes seules sur le site? Je sais pas, je pense pas. Là j'ai mal aux jambes, ça fait travailler. Bah il y avait, ils faisaient des t-shirts avant. Hein. Ils faisaient des t-shirts dans la boutique. Site, mais, bah, j'ai envie d'acheter l'autre album, moi, Adrenaline et South Coaster et Kinzuki aussi. Mais Kinzuki et South Coaster c'était des EP, c'était pas un album. Wouhou, ouais, je sais pas s'ils y sont. Comment on fait pour freiner? Faut les pieds. Bah tu vois là, tu fais ça. J'ai peur de... Voilà, tu fais ça, continue. Oh. Voilà. C'était un arrêt. J'ai peur de me croûter. Donc voilà. Il n'y a pas un ballon sur le toit? Si, c'était le truc que je me dis. Mais en vrai, comment il tient le truc? Ah, tu peux pas. Non, ouais. Je sais pas si vous voyez là. Il y a une petite boule. Juste là. Ici, là. C'est vraiment un ballon. Je sais pas ce que ça fout là, mais. On notera aussi une semi-disparition des boutons. Non, je me regarde un peu, mais c'est de voir, mais... Non, me filme pas. Bon, en fout, de toute façon, je couperai. Eh, ça fait mal aux cuisses. Bah oui, hein. Cuisse party. Bref, si vous connaissez un vaisseau qui est ça, c'est grâce à Maxime que je les connais. Avec mes chaussettes dépareillées. La miniature. Mets-toi sur le... Bah mets-toi aussi sur la barre. Ah, c'est vrai que tu... Bah ouais, je sais. Oh putain! Bah enlève ta casquette, essaye de mettre le truc. Normalement, je peux mettre en grand angle. Mais de l'autre côté, l'autre caméra. Non, le... Ah, mais trop bien! Allez, en même temps! Oh, pour un crevain, il voit ce vlog. Mais là, il n'y a pas André pour une fois. Attends. Allez, un... Attends, on y va en même temps. Attends! 1, 2, 3... Les gammes. Ah, j'ai avalé ma morve. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, Aurélien, il est venu. C'est quand? La semaine dernière. Normalement, ben, il voulait m'inviter chez lui. Alors Aurélien, si tu regardes ce vlog, de toute façon, je vais t'envoyer un message. Mais normalement, je devais passer la nuit de hier à aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ben, je voulais profiter à fond de ma sœur. Et en fait, c'était pas vraiment prévu que nous partions aujourd'hui. Mais en fait, c'est vrai que je me suis dit, ma sœur... elle a pas de vacances avant décembre, vous imaginez? Bon après vous allez me dire ça va passer. Eh punaise, mais vous rendez compte, on est déjà en octobre. En octobre. Tu vas. Oh tu vois des malades quoi. Ah, y'a que moi qu'on entend. Mais non, j'ai trop peur. Je me fais peur moi. Oh non, on est vendredi. Non. Imagine Romain il va à la maison, il me dit qu'il y a... Oh non, putain, je suis en train d'imaginer le pire. Mais non, arrête de t'imaginer le pire toujours. T'arriverais à aller haut? C'est quoi ton plus haut? Tu peux faire plus haut là? J'ai vraiment ma tête qui dépasse du truc. Je vais faire un 360. Ah putain, non, arrête, tu me fais peur. Ah, c'est... Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment un connard. Oh, tu l'as fait exprès. Tiens, on a le contrevent en plus, c'est chiant. Tu veux qu'on se mette de l'autre côté? Attends, je vais m'arrêter déjà. Tu imagines dans le débat? Salut! Ah oh non, on est à l'envers! Bon, ben, on se retourne de l'autre côté. Bon, qu'est-ce qu'on a raconté sinon? Bah, que là, on profite de notre sœur pour l'instant. Voilà. À dire, tu voulais même pas venir. Avoue, ça te fait quand même plaisir, non? Bah oui, ça me fait plaisir, mais... En fait, on a tellement l'habitude de pas se voir. Je dis pas que ça devient une habitude. Mais... Bah Maxime et moi, on était seuls et tout. On prend l'habitude d'être seuls.
Et du coup, bah, quand on a. Genre, moi, ça fait. Tu m'as pas s'ils entendent. Moi, à la base, ça faisait depuis genre 5 ans que j'étais célibataire. C'est quoi le rapport? Bah, justement. Ah oui! Moi, ça fait à la base 5 ans que je suis célibataire. Bon, je vais vous le dire, d'accord? Attends 2 secondes, je parle. Moi, à la base, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Et le fait que, bah, que je me trouve une copine, et que ça fait déjà 4 mois, bah, du coup, on s'habitue plus à être seul, en fait. Du coup, bah, à chaque fois qu'on est seul, on pense au fait qu'on est seul. Putain, c'est profond ce que je dis. Bah, moi, en fait, avec André, d'accord, ça faisait 6 ans. Parce que je vais en parler un peu quand même, on va être malade. Mais en fait, il n'y avait plus vraiment ce truc du début. Je sais pas, j'espère que vous, si admettons vous êtes avec votre copain ou copine depuis longtemps, j'espère que vous avez toujours ce... Comment on appelle ça? Pas ce grain de folie, mais presque. Bah avec Jody, on l'a toujours. Hein. Ouais, mais là, ça fait que 4 mois. Bah même 4 mois, c'est déjà bien. Hein. Mais tandis que j'ai peur, en fait, même si admettons je suis avec quelqu'un d'autre, j'ai peur que ça finisse comme André. Après, vous voyez, la relation avec André, elle n'est pas du tout pareille. Parce que, bah... André, voilà, déjà, il était plus vieux. Bah, moi, je suis une fille qui a pas trop envie de sortir. Des fois, bah, André non plus. Donc, bah, c'était pas... Mais de toute façon, vous le savez, vous avez suivi avec moi, en fait, notre relation sur YouTube. Hein. En vrai, ouais. Hein. Bah ouais. J'ai commencé, ça faisait pratiquement un an que j'étais... Bah, quand t'as commencé, c'était avec lui. Hein. Bah oui, c'est André qui m'a dit, fais des vidéos. Moi, j'avais envie... Mais c'est vrai que c'est André qui m'a dit, bah vas-y, essaye. Et c'est à partir de là que j'ai commencé. Et ça faisait pas encore un an, puisque c'est... Ah, c'est mieux quand tu t'attaches les cheveux, quand même. Ça faisait pas encore un an, parce que j'ai commencé en juillet 2014. Et André et moi, on était ensemble en octobre 2013. Donc ça aurait fait un an, en fait. Ça faisait... Ouais, ça... Bon, bref, vous avez compris. Donc c'est sûr que... J'espère qu'ils nous entendent, quand même. Parce qu'ils m'ont dit, on parle dans le... Faudra qu'on écoute. De toute façon, je vais zoomer. Bon, après, ça changera rien au son. Ça me tue parce que vraiment, à la base, ouais, on vient pour profiter de notre soeur, mais en fin de compte, on fait de la balançoire. Ouais, mais attends, moi d'habitude, j'ai des vertiges, j'en profite. En plus, on n'a pas. Elle est où la balançoire la plus proche ici? À Annecy. Bah écoute, j'en connais pas d'autres, Annecy, moi. Ah, la seule balançoire qu'il y avait, ils l'ont dégagée. C'est celle où qu'il y a, qu'il y a un carrefour. Mais tu vois, le parc, c'était là qu'il y avait une balançoire. Hein? Ah oui, hein. Même qu'on était une fois avec Luc il y a longtemps, ah, oui, que vous avez joué au basket. Oui, c'était quasiment à côté, ils ont changé le parc. Le parc, il était bien mieux avant, il y avait une balançoire. J'ai mal aux cuisses, bordel. Il y avait même un tourniquet, je me rappelle, avec lui, qu'on s'était mis dessus. Et on était tournés, puis genre, on marchait comme des bourrés après. Ah, je m'en rappelle pas. Moi, je m'en rappelle. Ah, oh, punaise. Parce que je me rappelle que je m'étais mis là-dessus et je chantais des musiques. Je chantais Imagine Dragons, je chantais Polaroid, genre j'étais Wow, allez les candidates, so, love is a Polaroid. Better the picture, never can feel the void. Et je vais tomber. Je suis raide comme un peu. Moi j'ai mal aux cuisses à force. Et ça fait mal aux bras un peu quand même. Bah surtout aux mains, mal étonné mes mains. Ils sont rouges. Bon, ça si c'est rouge, c'est par rapport au frottement, par rapport aussi au fait que ce soit. Bah enfin bref, je sais pas si vous entendez, mais. Imagine, vous entendez. En fait. Vous avez vu, j'ai des Vans. Elles sont jolies. Hein, elles sont belles. Je vais voir le derrière. Oui, c'est des vrais. Hein. C'est des basses comme ça. Voilà. Et je suis comme Élise. Hashtag team chaussettes dépareillées. Mais c'est mes chaussettes. Bah oui, mais j'en ai pas pris, moi. Moi aussi, je sais pas si vous voyez. Je t'ai laissé une paire de chaussettes. Oh, cette coupe. En gros, voilà. Il y avait plus ce truc avec André. On s'est quitté. Ça fait un mois. Alors en fait, on s'embrouille oui et non parce que... Bah en plus, de toute façon, on a encore la salle en commun, donc voilà. Là, bah, c'est lui qui nous a amené en fait à Lyon parce qu'on pouvait prendre un car, mais le car, en fait, c'était trop juste par rapport au train. Et j'ai demandé à André parce que je voulais absolument qu'on vienne ici. Et il nous a dit oui. Donc hier, ça va, on s'est assez bien entendu. Donc moi, je préfère qu'on reste comme ça. Bref, de toute façon, normalement, on va aller à Kiabi aujourd'hui. Après, je ne sais pas où. Mais en tout cas, normalement, je filme. Donc, je vais arrêter de filmer pour garder le plus de batterie. Normalement, je vais recharger, mais voilà. Et puis, bah, je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Yo. Nous sommes à Kiabi. Normalement, il devrait être là. Oh, Maxime, je crois que tu vas être déçu, mais il devrait être là, normalement. Oh non. Oh, il y a le Joker. Il y a Avengers. Il y a CTC. Je crois qu'il n'y est pas. Oui.
Oh non, pourquoi? On n'a vraiment pas de chance. Nous avons pas de chance. C'est comme ça, c'est la vie. Il est mort. Super grand, trop bien. Oh, 4X. Ah ouais, c'est pour les gros. C'est peut-être un peu grand. C'est pour les un peu plus. On s'en fout. Ah, je m'en bats les couilles. Attends, vraiment. C'est quoi le gris? Ah, on s'en c'est fout. Nul. Tiens, on regarde toutes les tailles et puis. Bah, t'as 4XL. Ah ouais, est-ce que 4XL 5XL. Va prendre 2 4XL. Bah, oh, il est trop beau. Oh. 15 euros. 30 euros pour 2 t-shirts. D'accord, bon, retournons au rayon là-bas. Non, rayon. Ah non, regarde. Oh, il y a un pull NASA. Non, mais c'est pour les petites minettes. Donc, on recoupe. Yeah. On est sorti. On est sorti de je sais plus où d'ailleurs. Qui habite? Qui habite? Là, on va à Action. Voilà, vous le verrez que de dos. Vous voyez comment il a grandi? Petit souvenir. Ah, c'est pas trop mignon. Donc là on est sorti de cabine, j'ai craqué mon slip. Ouais, il aurait juste fallu que je mette mon t-shirt Stranger Things et je suis habillé full noir. Ah ouais, c'est vrai, on a trouvé les mes flûtes, on a trouvé les t-shirts. Stranger Things. Alors c'est en fait, du 4XL. C'est du 4XL, mais on s'en fout complètement. Clairement, comme ça je pourrais mettre Jodie avec moi. Oui. Et puis là on va à Action. Pourquoi on en a un à 1 km ouais, de chez nous? Regarde la taille du Action là et celui de chez nous. Non, il est pas grand. Ah, tu crois qu'il est grand comme ça? T'as vu la taille du bah, en fait, pour tout vous dire, il me faut des gants de toilette et des culottes. Parce qu'en fait, vu que notre départ était soudain, j'ai oublié de prendre des gants de toilette. Alors je me suis lavé ce matin, vous inquiétez pas. Recucu tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard, nous sommes rentrés et nous sommes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc. De le mettre de là. Filme. Non, je peux pas filmer Charlie. On a vu Charlie. Oh non! Oh non, non! Non, non! Allez, tire! Donc là, on est dans un petit terrain de basket avec Charlie. Donc je vous le fais pas voir. Et j'ai mis un panier à l'envers! Franchement, oui, ça dégoûte. Alors il est là, mais lui, il adore les caméras. Non, tu peux pas! C'est YouTube! YouTube! Il comprend rien! Bon, bref, attends, donne, je verrai. Par contre, YouTube, il connaît bien. Ouais, c'est vrai. Bon, bref, on s'en fout. Oh, tu l'as un peu rattrapé. Le jour où il va jeter le ballon, il va le rattraper, on va faire ouais. Mais non. Mais quel sale gosse. Bah oui. Bah bravo, il l'a mis de l'autre côté. Ah, moi, je suis coiffée comme une plouque, là. Oh, oh, quelle horreur. Bon, bref. Oh, j'ai rattrapé. Alors, attends, on va essayer ça. Oh, 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 oh. Bah, dis donc. Ah, oui, il n'y avait pas de force, là. Putain, je réessaye. Ah, je peux réessayer. Ah, mais attends, mais pour essayer. Ah si, t'avais essayé. Tu l'as mis de l'autre côté. J'ai arrêté de filmer parce que bah, on voit Charlie, donc bah okay. ça m'embête, entre guillemets, même si... Bon, bref, vous avez compris. Salut tout le monde, on se retrouve le lendemain. Oh, coucou toi. Il y a le chat du copain de ma sœur. Yo. Le beau t-shirt aussi. Oh, mais si tu le pousses. Joker. Oh, j'ai poustillonné. Joker. Celui, je l'ai acheté hier à Cabit. Regardez, oh là là, il je est pense... joli. Ouais, on vous fera voir ce même que j'ai acheté quand on sera rentré. Qu'est-ce que vous pensez de mon style? Moi, j'aime bien. Et moi, qu'est-ce qu'on en pense de ma coupe? Ça change pas du tout. Bref, là, on va... Quoi? On change pas une équipe qui perd. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Donc là, on va sur Amiens. Je vais aller voir mon père. Donc, je vais voir si je vais le filmer. J'ai pris mon chargeur parce que je commençais à pas avoir de batterie sur mon téléphone, l'iPhone. J'ai l'autre aussi. Attendez, il y a un truc qui me gêne. Ah, c'est mon poustillon. Ah, glamour. Ah, ah, ah. Mais j'ai une tête à faire peur. Ouais, j'ai pris aucun maquillage. J'avais pas envie. Donc voilà. Et là, il y a le marché. De toute façon, se maquiller pourquoi? Juste là. Mais apparemment, il y a que 2-3 stands. Bah, apparemment, c'est voilà. Juste des stands de bouffe et ça va fermer dans une demi-heure à peine. Donc... Ouais, voilà. Donc là, en fait. Faut que j'appelle mon père pour lui dire, que je mange avec lui ce midi. Je vais voir si je le filme parce que c'est vrai que lui il est pas très très bien en ce moment, donc ben je vais pas trop le brusquer, mais c'est vrai que j'aimerais avoir des souvenirs
Donc j'aimerais quand même le filmer. Je vais lui dire, écoute, t'as fait, je suis fait un petit peu. On verra si il me dit oui. Et puis bah voilà, bah écoutez, Maxime, ça va? Bien dormi? Moi j'ai très bien dormi. Franchement oui, notre sœur a beaucoup de goût pour ce qui est du confort. Des fois on achète des trucs, on sait pas. Dans les fauteuils et dans les... Bah non, mais attends, en vrai, quand t'achètes un canapé ou un fauteuil, t'es en droit de le tester. Voir si c'est confortable. Ah oui, ouais, mais si c'est dessus, directement sur internet. Ah bah t'es baisé dans ces cas-là. Ouais, il est très confortable et puis en fait moi non, je dors... Non, en vrai le fauteuil, ce qui est bien, c'est qu'il y a un bouton, du coup ça fait qu'on peut se mettre en mode dodo et il est ultra confortable. Nous sommes là, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a très longtemps ça a été enlevé par, je sais pas, par des gugusiens. Et c'était remis, c'est cool. Ils sont où? C'est en grand angle, c'est marrant. On va au restaurant chinois, on se trouve là, ici. Les amis, nous sommes fous. Oh, au secours. Attends, c'est pas fini, il y en a encore deux comme ça qui arrivent. Ouais. Fini de manger, alors c'était vraiment très très bon. En fait, c'est un restaurant, je sais pas comment vous expliquer, ça fonctionne que vous pouvez prendre en fait, c'est à volonté. Donc en gros, vous pouvez commander... Ah, les lunettes, elles sont sales, ça me dérange. Je suis désolée pour ma coupe. En fait, vous pouvez prendre en plusieurs fois, c'est-à-dire, je sais pas comment vous dire, il vous donne une fiche. Admettons, ça, c'est marqué name et en fait, vous marquez du style 4. Et en fait, vous pouvez parfois reprendre 5 fois d'affilée, parce que c'est à volonté. Mais là, du fait que le service il est un petit peu tard, eh ben, on en a eu à peu près une douzaine. Mais en fait, on peut commander 5 fois, donc c'est-à-dire qu'on peut en avoir 12 en 5 fois. Je sais pas si vous comprenez, je filme. Mais là, en fait, il y a eu un petit problème, c'est que on a pris beaucoup de choses pour goûter. Ah, ça suffit, j'explique. Et ce qui s'est passé, c'est que on a pris beaucoup de choses. Comme ça, vous faites demi-tour et puis vous m'attendez. Et puis, bah, en fait, on voulait prendre à emporter parce qu'il y avait vraiment ça, beaucoup c'est de trucs. Comment on fait pour se garer en ville? Et bah, vaut mieux que vous restiez ici. Et je te vois pas rester là. Je vais chercher des macarons ou à moins d'aller du côté de la cathédrale. Elle est là. Mais en fait, ils avaient pas envie qu'on prenne tout emporté. Et puis le truc, c'est qu'on s'est dit, punaise, il en restait beaucoup. Mais on a réussi à avoir, donc ça va, c'est cool. Enfin bref, là, je vais aller voir mon père de ce coup-là. Je vais voir si je le filme, mais on verra bien. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Que je suis mon père. Coucou. Dis coucou. Coucou. Ah, t'es trop mignon. Comment il va le monsieur Jean-Pierre? Ça va, je suis avec ma fille, je suis heureux. Ah, bah tant mieux. Alors, quoi de beau, nous venons d'aller à Nose. Non. Je sais pas si vous reconnaissez la façade. Et là, on va à un magasin qui s'appelle Destock 80. Bon, ça te va? Il a maigri, hein? Bon, dis donc. Bon, on vous dit à tout de suite. Et que tout le monde se retrouve le lendemain. Oh non, pourquoi toujours des gens qu'en Chine, c'est hallucinant ça. Que tout le monde se retrouve pour... Oui. L'avant-dernière, ouais non si on va dire la dernière journée de ce, je vais dire de ce vlog. Un animal qui meurt ou quoi? Bon, que disais-je? T'as fait froid là. Bon, on est dimanche, le 3 octobre si j'ai bien compté. Non, n'importe quoi, on est le 4. Et là, bon, vous voulez aller, ben, comme d'hab, qu'il y a les balançoires et tout. Mais il y a des gens. Donc on peut pas. Je vais manger une pomme. Passionnant, hein. Voilà. Ce vlog est intéressant. Enfin, ce moment précis, je veux dire. C'est la dernière journée. Il est déjà 17h et des brouettes, je crois. Regardez l'heure sur le téléphone. Ah, ma capuchon! 17h05. Voilà. Quoi? Ok. Maxime fait le signe de Jules maintenant. Alors que j'écoute pas, hein, que tu sois d'accord. Eh, hey, copiteur, c'est moi qui mets son casque comme ça. Au-dessus du truc. Au-dessus de la capuche. Bon, bref. C'était quoi ce rire? Enfin, bref. On n'a rien fait d'exceptionnel aujourd'hui. En même temps, ouais, c'est dimanche. On est au balançoire. Tu sais que les meufs, elles se disent encore, on peut y aller là-dessus. Hein. Bah, elles sont juste à côté, c'est un peu. Ah non, moi j'aime pas. Bon, on met nos casques, on écoute de la musique. Tu me connais, j'aime pas. Bon, moi je peux y aller. Bah, je te rejoins. Dans une heure. Ou deux heures, ou pas du tout. Ah, mais my god. Non, ma capuce. J'ai fait des tresses, mais. Avec mes mèches là. Bon,
Bon bref. Je sais pas du tout quoi dire en fait. Ça m'a fait plaisir de voir mon père. Il a vachement maigri. Je sais pas si vous avez remarqué par rapport au vlog d'il y a longtemps. Non, au vlog d'il y a longtemps. Ouais, c'est vachement précis ça. Bref. Donc, vous le savez pas, il a encore son cancer à la prostate. Alors, il est suivi. De toute façon, il avait fait des rayons, je sais pas quoi. Donc, je sais pas vraiment si c'est guéri. Mais de toute façon, il est suivi jusqu'à ce qu'aurait du temps de sa vie. Hein. Mais il a vachement maigri. Enfin, ça fait bizarre. Il a vraiment sa peau. Ben, vous voyez comme les. C'est quoi ce double menton? Il faut arrêter de bouffer. Ça va être tout. Comme les personnes âgées, vous voyez, ils ont un peu la peau qui retombe. Ben là, mon père, ça fait pareil. Ça fait super bizarre. C'est. Ouais. Puis, ben, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Donc, ben, en un an, même pas. Quand je l'ai vu en début d'année, ben, les cheveux gris, quoi. Ça fait tout bizarre. Ouais, ça fait bizarre. J'étais contente de le voir malgré qu'on n'ait pas autant parlé que ça. J'ai mal à parler en fait avec lui. Enfin bref, je filmerai sûrement demain sur la route parce que c'est un truc que j'aime bien faire à la base quand on part. On sera peut-être un peu triste, surtout ma mère, donc je filmerai vraiment dans la journée, voire même quand on sera peut-être arrivé. En fait, je sais même pas du tout. Parce qu'en fait, on est pressé, oui, non, on va rentrer. Pressé parce que voilà, on va retrouver notre chez nous, moi les chats. Et puis voilà. Et puis bah, bien sûr on quitte notre sœur et tout. Donc ça fait un peu chier. Voilà, c'est tout. Bref. Et c'est histoire de ballon qui sont autour, je comprends pas. Je ne vois même pas assez bien. Ouais, je vais arrêter de parler parce que je me les gèle là. Et puis bah, je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Tout le monde se retrouve. On est. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es assis sur quoi toi exactement? On est quelques jours plus tard, donc on est rentré depuis lundi. Donc là on est le vendredi 9 octobre, on est rentré lundi 5. Et j'ai pas vlogué, normalement je devais vlogger sur la route. Mais en fait le copain de ma mère s'est arrêté qu'une fois parce qu'on est rentré. Ouais, on est parti tôt, on est parti vers 8h30 et des brouettes. En fait on a accompagné ma soeur à l'école avec mon neveu. Donc ça faisait bizarre de le voir rentrer. Et avec son petit cartable. Parti après, en fait on s'est arrêté qu'une fois. Y'a Pitou. On s'est arrêté qu'une fois vers midi et des brouettes je crois. Après on est arrivé vers 15h30. Voilà, donc franchement ça a été vite. J'ai dormi avec les chats, donc là y'a Neige qui m'a squatté sur mon coussin. Y'a Bidou, Tao, Didline. Ah oh, bah ça. Y'a MJ qui est là. À terre et Junior il est en dessous, donc ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une, il manque Minette, elle doit être là-bas. Enfin bref, en fait je voulais terminer. Oula, excusez-moi. Je voulais terminer le vlog là et finir en fait la vidéo que vous avez vue bien avant celle-ci qui me remet entre guillemets dans YouTube tout doucement. Voilà, pas quoi dire d'autre. Je vais aller me préparer et je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo.